moelleux et doux en bouche. Gaspard de Fleurival et Francis Simoès sont donc allés dans le Vercors, chez Pierre. C'est un éleveur-producteur qui travaille, vous allez le voir, en famille. Sur les étals des fromageries du Vercors, il règne en maître. Le bleu de Sassenage. Un bleu du Vercors ? C'est bleu, bien sûr. Impossible pour les clients de résister. Il est doux et il est plutôt à pâte molle. Et donc voilà, puis ça change. C'est pas un goût qu'on retrouve ailleurs. Il est bon, il est onctueux, il a ce petit rappel qui tient bien en bouche. Ils font très très bien. En raclette, en gratin, pour faire fondre dans une sauce. Le secret de ces saveurs se trouve ici, au cœur du parc naturel du Vercors. Dans ces plaines, des dizaines d'exploitations, mais 11 fermes seulement fabriquent le bleu de Sassenage. Comme celle-ci. Ici, un troupeau de Montbéliard et d'Abondance, dans la vallée l'été, dans l'étable l'hiver. Et parmi elles, une vache à la couleur froment, la Villarde. Pour Pierre Guillot, éleveur, c'est elle qui donne tout son caractère au bleu. Elle a bien pourtant failli disparaître il y a 50 ans. Il y a encore quelques années, il y avait, je crois qu'il y en avait 150. Il en restait 150 sur le secteur. Aujourd'hui, elle a redémarré. Donc, il y en a, je crois, 350. On en est fiers. Fiers d'avoir sauvegardé la race. Ça fait partie du patrimoine avec le bleu du Vercors, ouais. Lui s'est mis à fabriquer du bleu il y a 15 ans. Matin et soir, c'est sa fille Pauline qui emmène les vaches à la traite. Bon, Pauline, on y va. Vas-y. 4 minutes chrono pour chacune d'elles. Et cette année, le lait est de qualité. Il a fait beau pendant la période des foins, donc on a fait un joli foin. Et plus le foin est joli, plus elles font de lait derrière, parce qu'il est très appétant et très riche en énergie. Les fermes qui fabriquent ce bleu conservent un savoir-faire traditionnel. Une fois collecté, le lait est transformé ici, dans cette grande cuve. Première étape, l'écaillage à la main. Là, on a fait des petits grains comme ça, et petit à petit, ils vont se raffermir. En se raffermissant, ça évitera qu'ils se tassent dans le moule quand on va les mouler. Et ça laissera des ouvertures dans notre fromage pour permettre de faire venir le bleu petit à petit au moment de l'affinage. Ce matin-là, 15 fromages sont moulés. Après 6 jours de fermentation, ils sont piqués dans cette cave. Étape indispensable pour fabriquer le bleu du Vercors. Pour que le champignon qui fasse le bleu à l'intérieur du fromage se développe, il a besoin qu'il y ait de l'air. Et après 3 semaines d'affinage, à la découpe... Il a une jolie petite croûte ivoire un peu grise. Et là, il a des jolies traces de bleu, des ouvertures de bleu qui sont régulières et bien réparties. Celui-là, il est prêt à être dégusté, il n'y a pas de souci. Il sera très bon. En bouche, un fromage doux aux arômes de noisettes et de champignons. En moyenne, 600 tonnes de bleu de Sassenage sont vendues chaque année. La suite.